Hey yo tout le monde, c'est Tokiro, c'est parti. La dernière fois, souvenez-vous, je vous avais laissé sur un pseudo suspense de qu'est-ce qu'il y a dans cette cascade. Bon, moi, on va aller checker, hein. Mais moi, j'en sais rien, alors c'est pour vous dire. Ça se trouve, ça va être juste une brique, ou ça se trouve, ça va être juste un raccourci de merde, ou ça se trouve, ça va peut-être être un vortex. J'aimerais bien que ça soit un vortex. Hop, alors, on va voir. Donc là, c'est tout droit, et là, il y a. Ça a l'air d'être un vieux raccourci de merde. Vérifier, on passe encore une fois. Ah bon, les briques sont. Ah, yeah! Un truc en or, parfait. Parfait, parfait. Et là, oh! C'est quoi ça? C'est une tornade, d'accord. Bon bah, c'est parti quand même, on se fait un vortex. Go! Ouais, bon, on sait c'est quoi la règle. Ah, c'est pareil, 10, ok. Enfin, un peu moins de temps, j'ai l'impression. Bon, on va bien voir. C'est pas le temps qui me manque. Donc, alors, l'astuce, c'est d'en récupérer 5 quand même. Non, les plus loin, pour commencer. Parce que la dernière fois, j'avais fait un retour inutile. Ok, j'ai raté. Mais de toute façon, faut que j'en récupère 2. Ah, quoi qu'il arrive, il va falloir que je repasse par là. Oh, ouais, ça passe. C'était l'autre qui m'avait embêté, c'est ça? Ouais, c'était lui. Voilà, tu m'embêtes plus. C'est triste pour toi. Allez hop, on se dépêche pour retourner dans la zone. On va prendre du power. Les briques sont un peu éparpillées, mais bon, ça va, on a genre du temps. Je vais passer par là pour qu'il arrête de m'embêter. Hop. Petit raccourci de pêche aim, j'ai envie de dire. Oh là. Rien du tout. C'est là. Non mais vous avez vu, il va jusqu'à foncer dans, enfin, dans la base quoi. Mais non, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas fair play. Oh, pas où c'est. Ouais, je me fais avoir à chaque fois en fait ici. Ouais, c'est une super zone. J'aime beaucoup, j'apprécie les fruits au sirop. Petite réplique, hein, sortez-moi la série dans les commentaires si vous avez reconnu. Pourquoi je passe par là? J'ai l'impression que je me retrouve con là. Aïe, je déteste cet endroit. Excellent. Hop. Hop, par là. Bon, au final, je finis juste devant ça. Que je perds directement après, que je récupère. Voilà, pas vraiment punitif, hein. C'est pas comme si on touchait quelqu'un, on perdait. C'est faux. Il me reste 2 minutes, hein, c'est large. Ok. Bon, je récupère l'autre et puis je le reprendrai sur le retour. Et par contre, je ne suis pas d'accord. En exploration, là, il n'y a pas de pierre. Tout à l'heure, il y avait des cailloux. Donc alors, en même temps, si on s'habitue sur une map, genre, moi, je fais les courses dans ma tête, quoi, je tryhard. Si on s'habitue à une map qui n'est pas la même que en compétition, mais attendez, attendez, où allons, où va le monde? Je sais pas moi, est-ce que vous imaginez la douleur de la chose? Hop, l'alien, tu m'embêtes pas. Au final, j'ai l'impression que je fais plus ou moins le même trajet que tout à l'heure. Tout à l'heure, bah, pas pour vous, mais qu'il y a un dernier épisode, je sais plus lequel. Hein, je filme tout d'un coup, là, ça fait depuis le début que j'ai recommencé que je filme. Là, je vais sûrement finir le jeu d'un coup. Hein. Non, pas à ce point. Je pense qu'après Mars, je vais m'arrêter un petit peu. Puis, bon. Normalement, si je suis quelqu'un de gentil. Bon, non, en fait, je vais pas vous le dire. Enfin, si. Mais vous serez déjà au courant, quoi, si vous regardez cet épisode. Je voulais dire, si je suis quelqu'un de gentil, je vous posterai les 2 premiers épisodes. Pour m'excuser du mauvais son de la première fois où j'ai essayé de tourner sur ce jeu. Mais au final, je pense que vous vous en foutez, puisque si vous êtes déjà à cet épisode-là, c'est qu'on est bien avancé. Et que ça fait plusieurs semaines que ça a commencé. Voilà, GG, well done. Et on augmente notre power. On pourrait peut-être améliorer notre shield à un moment ou un autre. On s'en fout, le shield, c'est pour les tata. Et hop. Donc alors, cette course-là c'est fait, cette course-là c'est fait, donc on fonce dans cette course-là. Allez,
Oh là, ça a l'air d'être assez bizarre comme zone. Non, en fait, c'est l'espèce de passage que j'aime pas. On a récupéré la brique dorée. Au final, il y a quelques obstacles au départ. Trois tours. Ouais, c'est une course assez petite. Hop, on garde ça en stock. Hein. Vous connaissez l'histoire. Si quelqu'un nous double, on le colle. Et on lui balance ça dans la tête. Hop. On passe là. Ok. Bon, ça passe, hein. Bon, ça marche bien. Notre vaisseau est un peu trop rapide là, hein. 116 km, MPH, miles par heure, donc c'est quand même pas mal rapide. Non, on fait le tour, hein. On fonce pas dans la cascade. Même si on sait qu'il y a, enfin, que c'est un raccourci. Lal. Foncer dans les cailloux n'a jamais été un raccourci dans aucun des jeux. Comme dans Mario Kart où on dit mais si vous en faites pas c'est un raccourci et qu'au final quand vous foncez dedans vous allez à 3 km à l'heure. Alors je sais qu'ils vont foncer dedans avec un champignon mais je manque. Y a pas de champignon dans le jeu. Y a pas d'accélération. Ok, génial. Erreur de noob, hein, erreur de noob. Mais je n'en suis pas un. Je suis quelqu'un de très expérimenté, de très fort. À preuve, j'ai fini le boss de Dino Bay en une seule fois. Je n'en suis pas peu fier. Bon, au final, on va passer par là. On va faire, bien sûr, le truc le plus long, hein. C'est pour que les ennemis aient une chance de nous battre un jour ou l'autre. Parce que là, je veux pas dire, mais les ennemis, ils sont masse loin. Vous savez quoi? Ils sont tellement loin qu'on va en profiter pour se moucher. Voilà, j'en ai profité. Par là. Ah, ça fait du bien de sentir son nez vite. Hop. Bon alors, ce rhume, hein, ce rhume. Ah là là, vous pouvez pas savoir. Vous allez dire, ouais, c'est un rhume qui dure sur plusieurs semaines pour toi. Bah non, hein, c'est juste que je tourne tout à la suite, comme je l'ai dit. Putain, j'arrête pas de me répéter dans cet épisode. Enfin, j'ai l'impression. Je ne sais plus si c'était dans cet épisode ou avant. Je ne sais plus comment je vis. Je ne sais plus qui je suis. Bon, ok, Lego, ça c'est sûr. Je m'appelle Tokiplow. Voilà, aïe. Ça fait un peu mal. Mais c'est pas grave. What? Je roule sur du savon ou quoi? C'était prévu, hein. C'était pour faire un petit 3-6. 3-6 wallbang. Toi-même, tu le sais peut-être pas. Et si tu le sais pas, bah, il serait temps de se renseigner. Ouais, je passe par là. Par là, c'était rigolo. Mis à part qu'il y ait des caisses qu'on pop. Je ne sais pas pourquoi. À marre, les caisses. Vous savez quoi, j'ai suffisamment d'avance pour dire fuck. Ok, je voulais dire fuck le monde, mais au final, je me suis retrouvé mindfuck. Pas grave, hein, j'ai trop d'avance, c'est pour ça. Regardez, hop, je balance mes bonus. On est à l'arrivée, donc on s'en tape, on s'en carre totalement. I don't care, I love it. I don't care, I love it. On passe à la musique qui est genre beaucoup trop forte. Ah, mais on a récupéré 3 briques dorées ici. J'étais même pas au courant. Enfin, je me souviens plus. Ok, il reste une course avant d'arriver au boss. Ok. Bon, bah, c'est parti. Oui, bon, on s'en tape, hein. Oula. Ouais, 3 tours, ça semble logique. Elle est assez petite, j'ai l'impression. Quoique, c'est genre un peu comme la course de Luigi, je sais plus le nom exact, dans Mario Kart. Vous savez, que ça soit d'un côté ou de l'autre, on se croise. Enfin, y a un passage en commun. Ça fait genre un cercle, comme là, bon, un plus petit. Et ouais, je sais plus le nom. Luigi Stadium ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas Stadium. Bon, aucune idée. Bon, vous me direz dans les commentaires. Déjà, j'espère que j'ai su vous faire une assez bonne description pour que vous trouviez. Première fois qu'on passe comme ça, à l'envers. C'est très beau. Ça change. C'est cosy. Hop. J'ai peur pour le boss parce que, quand même, il y a quand même des zones qui sont assez complexes et où je pars un peu à la wall again. Enfin, quoique,
pour le moment, je pars beaucoup moins à la Wall Again que sur Dino Island. Donc ça devrait le faire. Sauf si je fais ça lors du boss, voilà. Là, je viens de péter la moitié de... la moitié de mon vaisseau. Hein. Ah! Ok. Il y avait sûrement une tornade ou je sais pas trop. C'est bizarre. Oh, mon réacteur, il disparaît sous mes yeux. Je ne suis pas un maître constructeur. Excellent. Non, je ne peux pas tirer en arrière. C'est vraiment ce qui me manque. Ah, peut-être en regardant derrière et en tirant, mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Je ne sais point. Je suis perdu. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais colasseux, mais colasseux. On est quand même à 17 blocs d'or sur 35. Sachant qu'il nous reste Arctic et Xalax. Quoique Xalax, je sais plus si on peut l'explorer. Il me semble pas. Il ne me semble pas. Enfin bon, bref. On a récupéré les bonus sur chaque mini, enfin sur chaque planète, zone, devrais-je dire. On va balancer ça. Ouh, ça aurait pu être magique. Mais bon, c'est pas grave. Au final, j'en ai pas besoin, hein. Ça aurait été clairement de l'overkill. Tirer sur l'ambulance, j'ai envie de dire. Soyez handicapés mentaux directement. Oui, je taunte. Je suis désolé. C'est pas mes parents qui m'ont appris à faire ça. Désolé, papa, maman. Mais faut dire, enfin, je prends énormément de plaisir à jouer sur cette série. Je peux faire des blagues, je peux paraître un peu nul. Enfin, je sais pas. Ce jeu est dynamique et tout. Puis j'aime pas trop les jeux de course, mais enfin, ça me rappelle tellement mon enfance que mince quoi, je suis obligé de l'aimer. Et voilà. Après, je suis sûr que même si vous aussi vous aimez pas les jeux de course. Ce jeu vous plaît grave. Je crois que c'est ma manette qui des fois fait de la merde. Enfin, j'espère que c'est ma manette, c'est pas mon skill. Parce que là, très clairement, ce serait pas du skill légendaire. Parce que des fois, je pars genre en 360, involontaire. Voilà. Ah là là. C'est parti pour le boss. On va faire un essai pour le boss. Hop, where is the boss? Je crois qu'il est quelque part par là, c'est ça. Voilà, c'est bon, il est ouvert. C'est parti, allons tester. One try for this episode. Hein. Un essai pour cet épisode et après on verra. Il s'appelle Régiel. Bonjour Régiel. Il dit que son véhicule est indestructible et que je veux vraiment l'affronter. Absolument. Aucune voiture n'est indestructible. Je prends ton challenge. Ah ouais. Voilà, véhicule indestructible. Oh, je suis un peu déçu. Genre, c'est Titanfall, quoi. Je n'ai pas dit que mon véhicule était une voiture. Prépare-toi. Ah, cheater. Cheater, tu nous... Oh la vache. Ah ouais. C'est genre un peu gros. Wouah! Eh mais on va se calmer? Non mais c'est quoi ça? En gros, j'ai l'impression que si je fais une course parfaite, je peux le battre. Ouais, ça, au final, il sent. Oh, ah, parce qu'il peut me détruire! Ah ouais, mais non, mais. Ok, là il glitch à moitié. Ouais, il glitch à moitié. Hein. Les virages sont pas parfaits. Oh là là, dur, trop dur. Ah, un petit reset, un petit restart. Yep. Vraiment très fort. Hein. Déjà dès le départ, il me met genre misère. Et en plus, ben, j'ai pas l'impression que lui tirer dessus sert à quelque chose. Bon, alors là, il va genre me défoncer. Un boss indestructible. Pas trop comment le battre, déjà pas comme ça. Mais ça, je pense que ça sert même pas à quelque chose que je lui tire dessus, quoi. Genre, un restart, dernier restart, et puis après, changement d'épisode.
Allez, faites, ouais, je pense qu'il faut que je fasse une map parfaite. Au bout d'un moment, ils perdent de la vitesse. Mais le souci, c'est que lorsqu'il... Voilà, regardez comment il m'écrase, quoi. Il me fait limite des dégâts. Ah oui, bah il vire moi de la map. Tiens. Je ne sais pas quel... Oh, ça peut lui faire mal, ça, par contre. Si j'arrive à m'approcher suffisamment... Il est lent, hein. Il est vraiment très lent. Là n'est pas son point fort. Mais après, il est gros et pour le doubler, c'est pas facile. Oh, putain. Ah, en plus, il s'acharne sur moi, genre. Oh, je suis devant. Je suis devant lui. Si j'arrive à rester devant, ça devrait le faire. Allez. Les waypoints sont vachement hauts. Non, je passe par là. Très belle musique au passage. Ah, et puis il y a 3 tours. Oh la vache. Je ne sais pas où il est. Eh ben derrière moi. 3 tours, ok. C'est un peu les tours de la pression. Mais la course n'est pas très, enfin, très longue, mais... Oh là. Oh là. Là, je l'ai très mal pris, là. Ah, zut. Zut. Moi, j'ai moyen de rattraper, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il est pas bien rapide. Ouais, regardez ça. Il vient de sortir de la map. What? Ok. Ouais, il est un peu glitché, hein. Je suis repassé devant. Un peu glitch. Mais par contre, lorsqu'il glitche plus, il... C'est peut-être fait exprès, hein. En même temps, c'est un robot, quoi. C'est pas une voiture. Non, ça tire toujours devant, ça. C'est triste. Ça aurait été bien pratique. Donc là, faut que je fasse gaffe. À pas faire ça, justement. À pas non plus faire ceci. Ni cela, parce que là, il m'a bien rattrapé. Oh. Faut que j'aille un repair point. Ça serait cool de gagner. Comme ça, on va pouvoir changer de map pour l'épisode suivant. Aller à l'Arctique. Voir les pingouins. D'ailleurs, je sais pas si les pingouins sont en Arctique ou en Antarctique. Ah, zut. Deux fois, je me fais avoir ici. Ah. Prendez l'argent. Oh, faut que je passe par là, quoi. Gros, c'est pas du tout un raccourci, hein. En même temps, je sais pas si... Bah, si, j'étais obligé, parce que je me fais mal moi-même à des moments. Très bon prix. Là, je l'ai très bien pris. Très bonne réception aussi. Là, je l'ai très mal pris. Très mauvaise... Non, très bonne réception. Ok, je suis toujours premier. Je le vois plus. Bah, il est toujours derrière. Hein. Il me suit. Hein. Faut pas vraiment que je fasse d'erreur. Mais en fait, il est beaucoup plus simple que Johnny Machin dans Dino Bay. Non, Johnny Machin, je crois que c'était le héros principal. Je sais plus le nom de lui. C'était un méchant. By the way, ah non, vous savez, le truc trop nul, c'est de partir en mini-jeu, aller dans le vortex pour une course. Bon, je lui mets cher, hein. Je lui mets bien cher, je pense que là j'ai gagné. Ne crions pas victoire trop vite, ça se trouve il va me sortir un truc cheaté, genre un jackpack, et il va foncer directement à la sortie. Ouais, ils en seraient capables, hein. Vous savez, le jeu horrible à la Super Meat Boy. Si vous arrivez pas dans les temps pile, c'est bon, c'est perdu. Mais en tout cas, ouais. Un boss assez simple. Hein. Mis à part qu'il soit indestructible, bah, pas vraiment de difficulté, quoi. Il est vachement glitché, donc. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est dû au jeu. Bon, bah, c'est la victoire. Hein. Du premier coup. Non, pas du premier coup, en fait. Je l'avais essayé 3 fois. Mais sinon, oui. Je ne comprends pas comment tu peux me battre. Mon robot est censé être invincible. Et là, je chiale. Oh! Il donne des coups de pied. Ah, j'ai l'impression que Rigiel a fait tomber le truc de bouclier. Voilà. Si ça ne tend du pas, tu peux le prendre. Ok. Je récupère le bouclier du robot. Ok, donc c'est exactement ce qu'il nous faut pour ta voiture.
J'espère que Rigiel ne m'en voudra pas, mais je le prends quand même. Clac, continue. Bravo, tu as complété ce monde. Tu peux retourner à Sandy Bay et visiter d'autres mondes Lego. Alors, par où c'est Sandy Bay? Ça doit être par ici. Bah, vous savez quoi? Bah, je vais vous laisser là. Et on se retrouve à un prochain épisode. Allez, plus!